Nous sommes avec Mathieu Lagrive, le pilote du Yamaha GMT 94. Mathieu, comment se présente cette 75e édition du Bol d'Or ? Bah écoute, pour notre part, pour le moment, pas trop mal. Je pense qu'on est une autre optique que certains teams. On a vraiment encore profité de toutes ces qualifs afin de nous peaufiner pour la course. On a travaillé vraiment tout le temps en conditions de course. Donc je pense que c'est plutôt positif. Les chronos sont bons, le staff technique est prêt, la moto est fiable. Sans pépin, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En plus, les trois pilotes sont à peu près dans le même chrono, vous entendez bien, ça promet une belle bagarre avec les autres. Ouais, non, mais c'est certain qu'il y a une très belle osmose entre nous, les trois pilotes, c'est vraiment top. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, donc ça permet d'aller un peu plus de l'avant et d'avoir une grande confiance envers tous, quoi. Et donc la moto va bien, les pilotes font très bien, les pneus donc vont très bien. Il y a eu quand même pas mal de malchance ces derniers temps sur la GMT. Là, pour toi, tout doit bien aller. Oui, voilà, malchance, ça fait partie de la course, hein. C'est les pépins que l'on règle au fur et à mesure. J'en ai fait les frais. Bon, bah c'est comme ça, ça reste de la compétition. C'est un sport mécanique, donc c'est jamais prévisible. Donc j'aimerais bien que ça se passe sur quelqu'un d'autre que moi, mais bon, je suis assez endurant et je suis assez dur au mal, donc je préfère que ce soit moi qui prenne que mes potes. Ok, bah écoute, on espère que ça va bien se passer. Merci. Bah, merci. Donc on est avec Mathieu Lagrive, le pilote du team Yamaha GMT 94. Cinquième temps des essais qualificatifs. Alors Mathieu, elle se présente comment cette course ? Que ça peut être foot, toi. Bah, merci, et puis rien du tout.